Monsieur le sous-préfet, nous avons seulement beaucoup. Autorité politique, autorité militaire, Leur Majesté le chef traditionnel, chers frères et sœurs invités à vos titres, ces grands révérends pasteurs, anciens de l'Église, frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure est venue de faire retentir cette parole dans le cœur et le corps de ces enfants que nous sommes. C'est une occasion pour moi, frères et sœurs dans le Seigneur, de vous adresser mes vœux et meilleurs pour l'année 2017 qui vient de commencer à cela 10 jours. Le texte, dont lecture, vient d'être faite, prend racine dans le troisième et dernier discours de Moïse au peuple dont il avait la charge de conduire à la terre promise. Moïse est fatigué, mais assagi, est conscient de ce qu'il n'entrera pas à la terre promise, mais tout au long du parcours dans le désert, il aura mis le peuple face au choix. Choix qui se présenterait à lui tout de suite après avoir foulé la terre promise. De fait, c'était l'étape la plus cruciale de l'histoire de ce peuple élu. Comment se porterait-il face aux séductions des cultures étrangères avec son colorère de sensualité, de religion exotique et même l'attirance des richesses. Le peuple ayant vécu dans l'isolement, loin de la civilisation, et qui, dès la traversée du Jourdain, devra côtoyer un monde d'artifices est certainement en danger. Ça participe. Église presbytérienne camerounaise choisit la vie. Église presbytérienne camerounaise choisit la vie. Contexte de ce choix. La marche au désert a été le moment pour l'Éternel de préparer son peuple, l'homme de la guérir, de l'entretenir la flamme d'une alliance avec ce peuple devenu un mis à part. Alors, sous la conduite de Moïse, le peuple a expérimenté non seulement la puissance, mais aussi la jalousie d'un Dieu suprême. Ce peuple a la promesse d'un territoire promis à leur père. Territoire cependant déjà occupé par les Cananéens, dont les voies sont contraires. L'assimilation et l'accommodation pourraient conduire les Juifs à la chute totale. Un danger. Danger pour le peuple de se compromettre à cause des multiples artifices. Ceux qui essaiment notre société et malheureusement l'Église aujourd'hui avec toutes les pompes de l'argent, les crimes rituels, la pédophilie et autres homosexualités. Et tout ce que la société et le peuple est donc grand pour le peuple de s'éloigner de Dieu et de ne plus jouir de ses grâces, encore moins sa protection. Moïse, conscient de ce danger, joue sa partition jusqu'au bout, avertit le peuple comme sentinelle de Dieu. Joue encore sa partition prophétique. Jouons-nous encore notre rôle de pasteur. Jouons-nous encore notre rôle d'ancien de l'Église. Jouons-nous encore notre rôle de chrétien. Notre message cadre-t-il encore avec le contexte et les enjeux de l'heure? Est-ce que notre message, y a-t-il encore manifestation quand l'Église prie, quand l'Église prêche, quand l'Église délivre son message? Alors, à la vérité, frères et sœurs,
la préoccupation existentielle et même celle socio-politique du peuple dont nous avons la charge de conduire oblige l'Église partout dans le monde et singulièrement l'Église presbytérienne camerounaise, la nôtre, à faire un choix de vie. Parce que devant nous, frères et sœurs, ce verset 19, dans sa partie C, est très important et a un contenu profond. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation des jours. Assuré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Obligation du choix. Sommes obligés de choisir. Le texte est clair. Choisis la vie pour le terme. Et j'ai dit précédemment. L'Église presbytérienne camerounaise choisit la vie. Mais en relief deux voies, deux alternatives, pas opposées encore moins complémentaires, mais contraires. L'une exclut nécessairement l'autre, parce que en perpétuel combat. Nous menons une vie située entre deux pôles, contraires et contradictoires, qui mènent de manière perpétuelle et constante des combats. Nous vivons notre vie, se situe entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. La vie. L'Église presbytérienne camerounaise choisit la vie. Ellen White et les ténèbres ira sans cesse croissant. Ça, c'est une bagarre éternelle. Mais le texte est clair, choisit la vie. Ça, chacun d'entre nous, nous sommes libres d'orienter notre vie comme nous voulons. Mais le Seigneur, c'est un choix orienté. Le Seigneur nous dit ce matin, Église presbytérienne camerounaise, et puis chacun de nous individuellement choisit la vie. L'Auguste Jésus de l'enchérie, et je cite, l'homme presbytérienne camerounaise, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frères et sœurs, dans le Seigneur. L'Église presbytérienne camerounaise choisit la vie. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois, maladroit. Et tout ce que nous faisons, nous quittons le chemin du Seigneur. Nous allons de côté des intérêts qui n'ont pas de sens. L'Église presbytérienne camerounaise choisit la vie. En tout cas, si tu veux, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et même plus individuellement, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes libres. Nous sommes libres, hein? Nous sommes libres. Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons. Quelqu'un chantait. L'on ne peut servir Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pourtant, tout le monde a dit et intellectualise pire. Nous, chrétiens de l'Église presbytérienne camerounaise, avons choisi cette alchimie, à savoir servir le Christ de jour et, il y a certaines personnes, nous servons Christ de jour et nous flirtons avec les gourous et autres pouvoirs la nuit, frères et sœurs, et aux approches de notre juridiction, aux approches d'une grande assise, l'instance fêtière de l'Église presbytérienne camerounaise, en fait, de tout ailleurs. On dirige l'Église du Seigneur avec Christ. On dirige l'Église du Seigneur, notre Église, l'Église presbytérienne camerounaise, avec Jésus-Christ, le véritable chef. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Allons-y, hein? Nous sommes libres d'opérer nos choix. Faisons ce que nous voulons. Mais le texte, je suis sûr que dans ce temps, ici et maintenant, il y a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dans ce temps, dans nos vestes, dans les poches, les amulettes, autour des reins, autour des bras, certaines choses dans les cheveux, on met dans la bouche, on met ailleurs,
des postes ridicules, des postes qui ne servent à rien, des postes qui nous amenuisent chaque jour, des postes qui vont rabougrir notre foi à quoi que tienne. Devenons autre chose. Au lieu d'être des missionnaires, nous devenons des démissionnaires. Devenons des démissionnaires. Et un enseignant de dire les temples, ces presbytères à vendre, pasteurs et prêtres à pendre. Parce que nous avons loupé la mission. Parce que dès que nous sortons du chemin, nous sortons de la mission de Christ, nous sortons du choix orienté de notre Seigneur, nous faisons ce détour, nous devenons des dangers, des pasteurs, ainsi que des diacres, fidèles entre guillemets, à pendre. Parce que vous ne pouvez pas reprendre les propos de quelqu'un à Bafia, qui disait que certains consultent, ça va tout dans le même sens, certains consultent des charlatans avant de venir à l'Assemblée de la Cour. Il y a des gens qui vont ailleurs, prennent des forces, parce qu'on des gens qui ont perdu le nord. Si vous le dites, je ne dirai pas non, frères et sœurs, je ne dirai pas non, hein. Non, peuple de Dieu, il faut choisir la. Il consiste au plan spirituel à redonner à l'Éternel à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Et ce n'est pour pas. Avant toute chose, nous devons choisir de placer devant notre être et devant notre manière de la justice, des codes qui valorisent l'équité et où la vérité doit être vécue. Et clamer, nous devons être des hommes et des femmes de vérité. Nous ne devons une seule source ne peut produire de qualité d'eau. Hein. Ce n'est pas possible. En même temps, on tient la Bible en journée et dans la nuit, nous nous ridiculisons, nous faisons ridiculiser par ceux qui n'ont aucun sens même de la vie à la tenue. On est place en nuit, hein, quelque part. Les ridiculise là-bas, ils aiment partir nuls. Voilà, parce qu'ils rentrent là-bas étant fatigués, désorientés, déboussolés, ils deviennent méchants. Ils deviennent méchants. Parce qu'ils viennent d'être ridiculisés. Devant leurs frères. On les ridiculise. Très mal, les frères et sœurs. Ceux qui ont eu l'occasion de faire un tour là-bas. Quand ils rentrent là-bas, le visage est forcé comme les enfants disaient toujours là-bas. Ils sont ridiculisés parce que malmêlés par les forces négatives, prendre les choses de dehors pour amener dans l'église, qu'elle est ridicule. Choisis la vie. Nous devons le faire. Nous devons mettre en avant les codes de justice, les codes d'éthique. La croissance qui peut sous-entendre les structures ou autres infrastructures, les biens de toute nature, voire la. Nous faisons un tour de ce côté,
puisqu'on crée les églises, un marché hein, au sud, au sud de l'Afrique, l'Afrique sud sahélienne, l'un des secteurs, je mets entre guillemets en réseau par robotique, l'un des secteurs qui enrichit facilement, c'est le mouvement religieux. Voilà pourquoi chacun peut porter la Bible et la tenir en l'envers. Dès que les débats à l'administration, dès que tous les pieds sont là, l'administrateur va que signer de notre procuration, mais voilà de l'autre côté là. Les églises de sous-développement, les églises de sous-développement quotidien. Les groupes, on appelle pasteur, tu es pasteur, on fait comme ça. On appelle pasteur par autre et autre. Il est le chaos. Tout le monde cherche à créer son consistoire. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Base évangélique. Est-ce que Christ est un bon glorifié dans ce que nous faisons? C'est beaucoup de calcul. C'est la mafia. C'est la mafia. La mafia est entrée dans notre église. La recherche des intérêts. La recherche du pouvoir est entrée dans notre église. Ensemble, sous l'angle de la préservation de l'héritage. Pas seulement au plan de la simple formulation thématique des thèmes comme nous le faisons chaque année, mais aussi une réalité qui se vit. Ce n'est pas le folklore concret. Nous devons être frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est pas le folklore. La préservation de l'héritage ou la vie ne relève pas de la force de l'homme, si tant est que sa liste affirme, je cite, ceux qui la gardent veillent en vain. Pourquoi toute cette peine, frères et sœurs, dans le Seigneur, quand vous n'êtes pas sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est pour quelle base? Mettez le zoom sur comment leur progéniture termine leur vie. À force de trop gaffer, nous transmettrons des malédictions de génération en génération. Méfions-nous, Église presbytérienne camerounaise, choisis la vie. Nous faisons trop, ça en est trop, frères et sœurs, dans le Seigneur. Faisons attention. Faisons attention. Si les hommes gardent la ville sans l'Éternel, ce qui t'accade, veille surchargé au poste, au prochain, et bien, créer tout ce que vous voulez. Mais au soir de votre vie, chacun rendra compte. Chacun rendra compte. Et à cause de toi, les autres peuvent payer. À cause de toi, tes enfants peuvent payer de génération en génération. Si cette malédiction n'est pas brisée. Choisis la vie église presbytérienne camerounaise. La préservation est donc, autant que la bénédiction, une émanation de l'action de Dieu qui cependant décline de l'attachement de l'homme à son Créateur. Si nous sommes attachés à Christ, nous avons tout. Si nous sommes attachés véritablement à Christ, nous aurons tout. La vie sera en nous. Et quelle vie? Une vie de baptisée qui donne la main droite et la main droite. Choisis la vie. Église presbytérienne camerounaise. Choisis la vie. Église presbytérienne. Qu'as-tu donc fait de ton héritage? C'est le terrain vendu. C'est le titre foncier bradé. Avec la complicité de l'église, hein, des responsables. Et on couvre! On couvre! Il y a personne! Ne peut venir ici. Il y a peut-être des choses. C'est des calculs. Choisis la vie. Dans le Seigneur. Ce sont là, frères et sœurs, des signes que tu as choisi la vie, frères et sœurs. C'est les combats que Jean Bagard, le nez saignant, les dents tombent.
le sultan est déchiré. La Bible devient un ballon de football. La chair est renversée. Les éléments de la scène sont mis en lien. Pour cela, bien plus, pour ceux qui ont le courage de payer.